Bonjour, Adrien Vicard, directeur général de GILAC. GILAC est une PME française de plus de 75 ans, spécialisée dans les contenants alimentaires, surtout à destination des métiers de bouche. Alors, on n'a pas attendu que la loi AGEC se mette en place pour avoir une démarche, on va dire, responsable et de transmission. Nous, on a commencé le partenariat avec l'Agence du Don en nature en 2016. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos valeurs d'entreprise, on a deux valeurs qui nous sont très fortes, c'est la durabilité et la transmission. Et par rapport à l'Agence du Don, pour faire un parallèle entre ça, l'Agence du Don aujourd'hui, ça nous permet effectivement d'abord de donner une seconde vie à certains produits issus de nos productions et transmettre, parce que du coup, ça permet de transmettre aussi une seconde vie, nos produits, les transmettre effectivement à des gens qui en ont besoin. Nos opérateurs sur ligne sont briefés en interne pour pouvoir être sûr effectivement que les produits qu'on va donner, ils sont quand même, ils respectent un certain grade de qualité. Après, il y a toute notre partie logistique, on va être en capacité d'aller les stocker et au fur et à mesure effectivement avoir un point. On a chez nous une zone particulière pour l'Agence du Don en nature pour pouvoir consolider tous ces dons-là. Et puis après, il y a une partie alors administrative avec notre service finance et transport pour pouvoir, on va dire, échanger avec l'association et être en capacité de gérer le flux et d'acheminer les produits sur votre plateforme de Dourges qui puisse être après dispatché derrière. On transforme une perte en un gain pour effectivement certaines personnes et certaines associations. Et ça, à la fois, nous, moi en tant que dirigeant, j'en suis fier, mais les gens de l'entreprise aussi le sont, parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir transmettre tous les produits qu'on vend, à la fois à des pros et à la fois effectivement à des associations qui sont aussi eux-mêmes professionnels dans leur métier. Il y a deux choses. Il y a le côté simple où on a cette capacité de traiter avec une association qui nous accompagne, qui nous aide, qui a déjà tout un flux qui a été organisé et qui s'adapte aux entreprises avec lesquelles elles travaillent pour pouvoir les aider à avoir cette démarche-là. Parce qu'il y a un côté transparence qui fait partie aussi un peu de notre ADN, c'est-à-dire qu'on a la capacité de savoir à quel moment nos produits sont donnés, à quel type d'association et dans quel secteur. Et donc ça, effectivement, on a une confiance absolue en l'Agence du Don Nature parce qu'on voit effectivement que nos produits après sont réutilisés à juste titre. Mais on cherche aussi avant tout à pouvoir aider et accompagner les gens qui en ont besoin. Donc on va maintenir le partenariat le plus longtemps possible pour pouvoir participer à cet effort collectif.